Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, c'est comment? J'espère que tout le monde va bien ici, hein. C'est votre humble serviteur Héritor. Nouvelle vidéo, voilà, une vidéo très très importante à partager. Continuez de vous abonner, on devient de plus en plus nombreux. Franchement, gros gros merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci de venir et de partir, de revenir et de partir. Là, je parle des légionnaires, je n'ai pas dit des magnans. Voilà, en tout cas, grand merci pour votre soutien. Je suis avec vous, je suis avec vous. Voilà, moi je suis le défenseur des Bordeaux Likoufa et le grand défenseur de la musique ivoirienne. Voilà. Tant qu'il y aura des comportements gauche avec les artistes de Côte d'Ivoire, je vais toujours monter au créneau pour dire mes vérités. Voilà. Cependant, dans cette vidéo, on parle d'une chose très très importante. Voilà. À la fois récurrente même. Et il faut que j'en parle. Voilà. Il y a un phénomène dont on est habitué, mais je pense que souvent, ces derniers-là dépassent les limites. J'ai constaté, on ne pas dire, vous avez constaté avec moi qu'il y a certaines pages, people, qui ont le malin plaisir de inventer des discours bien des propos pour les attribuer à certains artistes. Et ces derniers temps, c'est Serge Benoît et Debordeaux Likoufa qui en ont fait les frais. En fait, les amis, j'ai l'impression que quand vous faites vos choses là, vous pensez qu'on ne peut pas vous rattraper. Vous pensez qu'on ne peut pas dénicher la personne, l'administrateur qui est derrière cette page-là. Moi, par exemple, quand vous avez pris ma vidéo où je suis en larmes sur le son à Gaza Gaza de Bordeaux, et les gens ont pris pour m'insulter, les gens ont pris pour se moquer de moi. Moi, je n'ai pas parlé parce que ça participait au buzz de, on va dire, de la chanson de à Gaza Gaza. Voilà, et ça fait son effet. Donc, comme je suis déjà homme, homme public, parce que quand je dis homme public, je fais des vidéos, donc ça me gêne en rien, ça me dit absolument rien. Donc laissez tomber. Sinon, si vous voulez me réveiller sur vous là, plus jamais de votre vie. Et c'est de quoi il parle, hein? Plus jamais de votre vie. Vous allez faire ce que vous avez fait là. Mais ça participait au buzz, donc j'ai laissé tomber. Vous dites que quoi? On peut vous créer beaucoup, beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes même. Et des couilles comme nous. Voilà, après comme moi il fait une vidéo, il ne cache pas mon visage. Vous voyez, il sait ce que j'ai dit, puis il sait sur quoi il compte. Les mecs sont là, ils sont en train de faire leur carré tranquillement, vous inventer des histoires, comme quand lui a dit ça, lui a dit ça. Même chose, on va dire, Serge Benoît, il s'est mis en colère, il vous a bien insulté sur ton compte personnel, comme il est très professionnel, il n'a pas voulu le faire sur sa page. Nous qui sommes, on va dire, abonnés à son compte personnel, on a vu la publication, il vous a très bien insulté. Et c'est surtout une page. Alors, coupé décalé là. Je ne sais pas qui est derrière cette page là. Mais il faut arrêter ça. Voilà, il faut vraiment, vraiment arrêter ça. Quand tu sais que tu vas sortir un discours ou bien un propos qui ne va pas arranger la tisse ou bien qui va rabaisser la tisse, il faut éviter. Sinon, on peut vous retrouver. Voilà, les pages, on sait comment ça marche. C'est un compte personnel qui crée une page. Vous comprenez un peu, non? Donc, arrêtez ça. On peut remonter à vous facilement même. Mais si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Mais quelque part, il faut arrêter. Parce que c'est pas bien. Ça salit l'image d'abord même de la musique ivoirienne, de la culture ivoirienne et de ces artistes-là. C'est pas bien. Est-ce que vous voyez le délire même? Vous inventez un discours pour vous mettre ça sur un artiste. Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce qu'on peut vous faire avec ça? C'est un gros délire. C'est vous. Vous savez, comment on va dire ça même, vous êtes capable de tout pour faire le buzz sur votre page, quoi. C'est pas à l'offre couper des galets seulement, hein. Ils sont pleins comme ça. Moi, je trouve que c'est malheureux. Et puis, vous faites ça sur vos artistes. Et c'est vous, vous allez dire, vous faites la promotion de la musique, ils voient rien bien, de quoi. Vous faites rire, hein. Vous faites vraiment, vraiment rire. En tout cas, faites gaffe. Parce que, c'est parce que, je sais pas, en Côte d'Ivoire ici, les artistes sont superbement tolérants, hein. Les artistes sont trop tolérants. C'est qu'il n'a pas dit. Quand tu viens, tu fais poste, puis tu mets sa photo en bas même. Comme quoi, c'est lui qui a dit ça. Quand vous faites, vous gagnez quoi? C'est-à-dire que vous êtes sans scrupules, sans limite quoi. C'est-à-dire que vous ne vous gênez même pas.
du genre en Côte d'Ivoire ici là, on a l'habitude de faire ça, ça pas aller quelque part. Et effectivement, ça va pas quelque part. Le jour, ça va aller quelque part. Si une personne qui administre une page là, je pense que vous allez arrêter ça. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi quand même. Ça vous coûte que d'entendre pourtant avec l'artiste et puis de prendre ces informations. Le mec, il est couché chez la maison, il apprend qu'on dit, il a dit ça. Oh, il n'a pas dit. Est-ce que vous ne savez pas? Ça crée même des conflits entre les artistes. Parce que quand vous vous asseyez comme ça, vous dites que par exemple, Serge Benoît a dit ça sur truc DJ Rafato, mais a dit ça sur Debordeaux, mais a dit ça, c'est un artiste coupé des galets là. Vous pensez que c'est quelqu'un que vous êtes en train de créer? Vous êtes en train de créer un conflit musical sans le savoir. Parce qu'il ne l'a pas dit. Ou soit vous paraphrasez ce qu'il a dit. C'est pas intéressant, les amis. Il faut arrêter ça. Moi, je fais des vidéos là pour vous dire des vérités. Comme on dit, c'est foutaise même. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de vidéos sur la toile avec lesquelles vous pouvez faire votre communication, mais ne poussez pas le bouchon trop loin. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Vous faites de la diffamation. Vous faites de la diffamation. Vous mentez sur ces artistes-là. Quelque part, je comprends. Comme peut-être que vous n'avez rien, l'artiste dit que si vous poursuit, il n'aura pas gain de cause. Donc, il laisse faire. Mais quelque part, vous aussi, ayez pitié. Mais ça salit lui son image. Ça entache l'évolution de sa carrière. Il faut réfléchir un peu, les amis. Il faut vraiment, vraiment réfléchir. Il faut vraiment, vraiment réfléchir. Je m'attends ici à leur couper décalé parce que cette page, elle exagère. Comme je dis, vous êtes beaucoup, c'est pas à leur couper décalé seulement, mais vous êtes beaucoup, il faut arrêter. Souvent, vous venez prendre mes vidéos ici. Ne me faites pas parler. Vous vous rappelez, vous avez pris une de mes blagues pour les mettre sur votre page là, non? On ne dit rien parce qu'on s'est dit peut-être vous voulez soutenir. Mais quand vous, on va dire, vous montez un discours qui est inconnu de l'artiste, c'est très grave. C'est vraiment, vraiment grave. Et ça ne se fait pas. Il faut arrêter ça. Comment, il y a quelques jours, vous allez dire que l'artiste était dans le coma et aujourd'hui, il est en train de demander pardon à X ou Y? Ou bien c'est son silence qui vous dérange tant? Hein? Et puis j'ai remarqué que c'est surtout à Serge Bino ou à Debordeaux que vous faites ça. Vous faites ça à d'autres artistes, mais c'est sur ces deux-là que vous êtes beaucoup. Arrêtez ça, c'est pas intéressant. Votre page là, pour Moussi, n'a pas besoin de ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Voilà, vérifiez bien vos informations avant de la mettre place sur la place publique. Excusez-moi. Hein? On réfléchit avant d'agir. On réfléchit beaucoup avant d'agir. C'est pas intéressant comme ça. Vous allez où avec ça? Vous gagnez combien même? Vous gagnez combien? Vous créez juste de l'audience pour plus de visibilité, c'est tout. Il faut arrêter ça, les amis. Il faut vraiment, vraiment arrêter ça. Parce que moi, c'est les choses qui m'énervent. C'est pourquoi je fais ma vidéo là pour vous en parler. Donc, fan de Serge Beno, fan de Debordeaux et fan du coupé décalé, si vous êtes abonné à une page qui a ce genre d'attitude là, qui ne veut pas changer, vous vous désabonnez. Qu'ils vont voir les abonnés diminuer là, ils vont arrêter. Qu'ils vont voir les abonnés, qu'ils vont voir une perte considérable de leurs abonnés là, ils vont arrêter. Mais c'est des choses qui ne se font pas. Et puis ce qui est bizarre, nous-mêmes aussi, les internautes, on aime les conneries comme ça là. On est toujours abonné à ces pages à deux balles là. La personne va passer une information qui est fausse, deux informations qui est fausse, mais qui est toujours là. Toi, ça te plaît. Ça te plaît qu'on monte sur ton artiste alors. Qui c'est pas là ne pas changer là, désabonnez-vous de cette page là. Vous devez dire de cette page là même. Mais c'est pas normal. Et puis ce que je me dis, on peut vous poursuivre pour ça. Je répète encore pour vous dire, on peut vous poursuivre pour ça. Voilà. Moi, j'ai pas envie de dire certaines choses ici. Souvent, même c'est dans les pages, il y a des artistes même qui sont derrière ces pages là et puis qui manipulent l'information. On connaît ça. Moi, je suis au courant de beaucoup. Souvent, les investigations même de ces pages là sont des artistes ou sont des personnes proches à des artistes. Il faut arrêter ça. C'est pas intéressant. Voilà, la musique ivoirienne n'a vraiment pas besoin de ça. On est en 2019, il faut changer de comportement. Il faut changer sa façon d'agir. Si Haïti hier ou bien avant-hier, tu agissais très mal, on t'a critiqué, il faut changer ça. Il faut arrêter ça. On peut manipuler l'information comme truc comme tout le monde. Mais ça sert à rien en fait.
Ça ne fait que ramasser nos choses de nos artistes, c'est pourquoi on ne le fait pas. Mais vous, on vous parle, 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 vous ne changez pas. Débordon est dans le coma. Ah! C'est vous qui voulez le tuer, quoi. Serge Benoît vous a loupé. Pour ceux qui connaissent le compte personnel de Serge Benoît, parce que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train d'inventer. Vous exagérez. Qu'est-ce qu'ils ont, ils vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Il n'y a pas d'autres artistes. Maintenant, même la même, il y a des artistes là. S'ils font ça, même si vous ne gagnez pas 5 francs chez eux là, faites-les dormir au moins 1 ou 2 jours à la maca. Qu'ils vont partir là-bas, ils ne vont plus jamais faire ça encore. Vous voyez, c'est méchant de là parce qu'ils font là. N'importe quoi. C'était irritant, je vous laisse.